Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS de mode MAN TGX version 1.6. Il a été créé par Matster. Il est testé sur la version 1.30.2.9S version Steam. Vous pouvez acheter chez le concessionnaire MAN Truck. Alors, cette fois-ci, nous sommes avec le MAN TGX XXL version Euro 6. Alors, avec une couleur que SES a donnée. Donc noir, gris et rouge foncé. Alors, il faut se demander quelle est la différence entre le Euro 6 et le Euro 5. Bien entendu, le Euro 6, c'est la nouvelle calandre avec bon, le pare-choc a changé, il y a plein de choses qui ont changé. C'est surtout l'avant qui a changé, il y a plein de choses, même l'intérieur qui a changé, je vous montrerai tout à l'heure. Il est vraiment très joli. Donc c'est un châssis 6x2 et vous verrez que à l'intérieur c'est vraiment complètement autre chose par rapport à l'autre. Je vais tout de suite vous le montrer. Voilà, donc là vous voyez, vous avez des accessoires. Alors déjà un intérieur cuir. Vous avez des accessoires GPS, ordinateur, vous avez une couchette, des rideaux, des petits autocollants sur les vitres. Vous avez plein de choses, franchement, vous avez des rideaux, vous avez, franchement, il y a énormément de choses. Alors, on va déjà allumer le moteur. J'ai un GPS, j'ai déjà un deuxième GPS. Par contre, il y a une anomalie. La première, le volant. J'avance, si je souhaite avancer, imaginons, je veux tourner à gauche. Mon volant, il ne tourne pas à gauche, alors que moi, ma roue est bien à gauche. Par contre, lorsque moi, je vais vous montrer. Là, ma roue est à gauche. À l'extérieur, je vois le volant. Je ne vois que dalle. Je ne vois pas ce que je fais. Ça, c'est un bémol de leur part. Après, déjà, volant, alors du cuir, du machin, ça, c'est vraiment du très bien. Je vais tout de suite vous montrer quels sont les accessoires et la configuration du camion. La configuration du camion. Alors il y a trois modèles, le XL, le XLX et le XXL. Puis les châssis. Alors il y existe plein de châssis, je ne vais pas tous vous les montrer, d'accord? Vous avez tous les types de châssis. Donc de très bons châssis. Hein, puis vous avez les moteurs qui ne changent pas, bien entendu. Les boîtes de transmission. Alors là, cette fois-ci, c'est sur le Euro 6. Vous avez un MAN type Matic 2 Speed et un MAN type Matic 2 Speed Air. L'intérieur du camion. Alors vous avez le standard avec la radio et l'exclusif. Les peintures. Alors bien entendu, vous pouvez avoir du jaune, vous pouvez avoir toutes les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez même avoir du couleur caramel si vous le souhaitez. Il y a ça aussi à votre disposition, du jaune, etc. Des couleurs métallisées, etc. Mais nous, on va garder cette couleur-là. Après, pour les accessoires, vous avez la calandre. Il y a la calandre plastique ou peint. Il y a peint, alors chromé, donc les côtés. Alors par contre, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein. Je vous dis tout de suite. Vous avez les plaques DPI, ici les pare-buffes, ici les plaques ADR, etc. Là, le pare-choc, vous pouvez l'avoir peint ou en plastique. Ici, vous pouvez avoir des barres pour illuminer votre camion. Ici, vous pouvez avoir le truc chromé. Les lumières, encore. Les feux anti-brouilleur. En plastique ou peint, les poignées de porte, etc. Ici, vous avez donc le support amorti, le support, moi j'appelle ça le support amortisse, le support, comment ça, le support L, donc avec peint ou en plastique, c'est comme vous le souhaitez. Après, vous avez donc tout ce qui est donc là, c'est la cabine, si vous voulez le peint, chromé, etc. Il y a aussi les bandeaux d'essuie-glace en mode plastique, peint, chromé.
il y a vraiment plein, plein, plein. Les carénages latéraux, ici à l'arrière, vous pouvez avoir tous les types de choses que vous souhaitez avoir, etc. Ici, vous avez les types de cabines. En bref, vous avez énormément de choses impressionnantes. Voilà. Donc, puis à l'intérieur, vous avez tous les accessoires que je ne vais pas tous vous montrer. Alors, ordinateur, GPS, peluche, réfrigérateur, tasse de café, etc. Bref, il y en a plein. Alors, bien entendu, moi, quand je clique dessus, j'ai rien. D'accord? C'est pas normal du tout. Je vais vous montrer un exemple. Moi, je n'ai pas ça. Je ne l'ai pas. Donc, c'est bizarre, je le sais. Mais voilà, après, il y a le volant qui tourne pas. Il y a plein de. Voilà, j'ai pas ça, j'ai pas de. Mais par contre, il y a plein de choses. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et au fait, je vous conseille ce mode vivement. C'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Le lien de la page Facebook se situe dans la description. Le lien du mode aussi dans la description. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, abonne-toi.